On vous en parlait ici même hier matin, l'histoire de Francine Chaffard, cette femme de 81 ans, à qui l'État refuse de rendre toutes ses économies investies dans des bons du Trésor, 90 000 euros. Eh bien, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a indiqué hier qu'il allait réexaminer son dossier. Nicolas Traîneau vient de joindre Christine, la fille de Francine Chaffard, qui salue cette bonne nouvelle. C'est un très bon réveil, effectivement. On ne s'attendait pas du tout à ça. C'est une très bonne nouvelle de voir que le ministre accepte d'examiner le dossier, sachant que jusque-là, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas moyen que le dossier bouge. On est vraiment contente. J'avoue que j'étais un peu hésitante à l'idée d'exposer le sujet comme ça, mais je suis impressionnée par cette médiatisation et le résultat. Puis maintenant, notre satisfaction, quand il y aura une résolution positive, elle sera totale.